Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, je suis un photographe designer. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est consacré à Adobe Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle affiche avec ce recette qui est simple à réaliser, une affiche de type anniversaire. Passons maintenant à notre vidéo de formation. Déjà, vous créez un nouveau document en cliquant sur le bouton Créer nouveau. Vous prenez l'âge de 10 sur le bouton de 10, comme ceci. Et là, vous allez appeler HBD en quelques clics. HBD. Et là, vous allez, paf, ça va être rapide. Ctrl H. Importer et lire votre image. Déjà, je vous mettrai le lien en description sur la vidéo afin que vous ayez le même résultat que moi. N'hésitez pas à télécharger comme ceci. Sélectionnez l'image. Oups. Là, je vais positionner mon image jusqu'à l'extrémité ici de l'ombre. Voilà, relier avec OK. Une fois fait, ajouter un masque de fusion. Oh, simplement d'abord, je sélectionne une couleur unie en dessous. Je pipe cette couleur. Avec OK, sélectionner l'image, dégrader, le bas, avec, puis ajouter un dégradé au-dessus de l'image simplement. Je vais prendre plutôt cette couleur. Valider avec OK, OK et OK. Ah, non, c'est notre date. D'abord, Queen, comme ceci. Avec OK. Donc, cliquez, ajoutez une ombre en dessous de votre texte. Réduire la taille de l'ombre. La distance également. Sélectionnez l'uniforme comme ceci, validé avec une couleur blanche. OK. Petit texte. Voilà, je prends la police sur mon terrain. Changer la couleur. Je le mets à 15. Valider avec. OK. Il se déposer à l'intérieur comme ceci. Et là, je vais taper 24 comme ceci. Agrandir le corps. Passer à 50. Et par la suite, un autre test en dessous au marque de moi. Agrandis le texte.
convertir en forme, aller dans les formes, supprimer l'emploi du fond et ajouter une couleur blanche comme contour, supprimer la couleur du fond. Mettons le contour à 10. Relever avec OK. Changer la couleur du 24. En toujours les sons comme ceci. Relever avec OK. Donc, cliquez, ajouter une onde en dessous. De votre première forme. Et surtout de la deuxième forme. Également. On va aller avec OK. Et là, nous allons mentionner ce moment de célébration. En blanc. Et basse. Réduire la taille à nouveau. Réduire à nouveau. À 1000. Avec OK. Contenter. Changer d'orientation. Regardez avec. Alors, mentionner le nom, tout simplement. Changer la couleur également. Réduire la taille de la police à 15. Eh bien, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce tutoriel avec moi. Merci et à la prochaine vidéo. Je suis son pour votre graphique designer pour vous servir. À plus.